Bon vendredi, bon midi et bon week-end à toutes et à tous. Merci d'être branché l'invité du midi. Je rappelle que l'invité du midi, c'est tous les midis sur la chaîne 22. Et aujourd'hui, vendredi, c'est la dernière sortie de cette émission. Le secteur culturel vit de présence humaine. Les crises successives que nous avons connues ont beaucoup handicapé ce secteur. Que ce soit le coronavirus, les différents pays locs ou enfin la crise sécuritaire que nous connaissons actuellement. Mais ce secteur est aussi connu pour sa capacité de résistance, à essayer d'exister malgré les difficultés. Quel est l'impact de la crise actuelle sur le secteur culturel? De quoi vivent les acteurs de ce secteur? Comment ce secteur peut-il aider à sauver Haïti? Ce sont donc ces questions et d'autres que nous allons débattre aujourd'hui à l'espace de l'invité du midi avec nous pour en parler sur le plateau. Jean Widler, Pierre Saint, opérateur culturel, et Yves-Marie Gustave, qui est comédien, jeune comédien, à qui nous disons bonsoir messieurs et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, et heureux d'être le soleil du midi, justement à la radio-télévision Caraïbes. C'est un plaisir, exactement, vraiment un plaisir. Et un grand amour, quoi. Bonsoir Samy Janvier, bonsoir Yves-Marie Gustave, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de la RTVC. Heureux d'être là, content. Mais oui. Merci beaucoup, Pierre Saint, ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps. Nous pas aller dans le téléphone, mais nous pas souvent. Ouais. Ça fait longtemps tout que où sont nous milités dans le secteur culturel là. Bon, tout à fait. Ça fait plus de 5 ans, ça va faire 6 ans depuis que je tiens. Pour le monde qui ne connaît, le Festival Graffiti en Haïti, c'est un festival annuel qui fait la promotion des cultures urbaines dans l'OSA. Pour le monde qui ne connaît, culture urbaine, il y a plusieurs éléments là-dedans. Oui, mais le festival, là, on dit ça fait 6 ans, mais moi-même, qu'on a milité dans ce secteur depuis plus de 10 ans, que ce soit à la BMC, Bibliothèque Monique Calice, que ce soit Résonance sur Vision 2000, une émission qui était faite pour promotion de musique de jazz avec musique traditionnelle, en compagnie de Roland Léonard, qui est un immense connaisseur de la musique en Haïti. C'était ça, oui, ça fait plus de 10 ans. Je suis intéressé à Street Art en 2015, nous faisons un festival qui est le Festival Graffiti, qui permet que nous découvrions vraiment l'expression artistique. Ça très peu connu du grand public haïtien, mais je dis à bon, assez grande audience, c'est qui assez aimé, assez connu, plus ou moins apprécié, puisque nous n'avons pas assez de galeries, pas assez de musées. Et si on ne voyage, pas vraiment découvrir ça que Street Art là, parce que c'était nécessaire, et même urgent, de faire un festival comme ça en Haïti, permettre tout, de valoriser le travail. Des graffeurs qui, à un certain moment, étaient considérés comme marginaux, même si, en plus, là, ils étaient sortis de tête, parmi lesquels Jiri, Asaf, Oliga, les plus connus. Et je dis à nous, gagnons pratiquement une trentaine d'artistes, s'il pas plus, qui plus ou moins militent et travaillent professionnellement, et ça, tout le métier, tout, d'un certain point de vue, dans le milieu, je dis. Nous allons retourner sur le festival et festival graffiti, hein, parce que c'est une autre démarche encore de décentrer l'art et mener en perspective, une perspective plus ou moins populaire par rapport au fait des arts qui plus ou moins des arts urbains, bourgeois. Donc le festival graffiti, il vient avec une autre idée, une sorte de démocratisation de l'art. Et Yves-Marie Gustave, vous-même, vous êtes comédien? Absolument, je suis comédien et coordonnateur de les ateliers en écriture qui sont estrictis, qui ont fait promotion pour les œuvres littéraires, spécialement la poésie. Parce que la poésie gagne pile importance dans la vie en tant qu'individu et c'est poésie qui permet de mériter vivant, c'est poésie qui fait là, je ne vous dis à là, parce que justement, je reviens à ma mère, et tout à l'heure, off mic, tu as dit nous ça, et c'est maman Marie-Francilus, et paix à son âme, qui fait me découvrir poésie, qui fait me découvrir poésie, pendant que je suis à la caille, et puis lâche ton livre, et puis pour tes livres là, pour moi. Et sans pas me connaître si c'est poésie, quoi. Et puis, commencer les livres là, et puis ça a été vraiment intéressant. C'est justement Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, un immense poète. Et justement, c'est qui fait me découvrir poésie, c'est moi-même qui fait me découvrir poésie. En fait, les ateliers en écriture, c'est ça. Nous, en question, nous spécialisons dans le théâtre de rue.
Et nous faisons théâtre de rue. Nous jouons tout dans des espaces fermés. Mais théâtre de rue, hein, c'est lui-même, c'est la donne que nous avons été parce que nous avons l'autre idéologie et nous avons l'autre perspective de création, nous avons perspective de travail, de mémoire, justement. Et en parlant de mémoire, et le 18 septembre, on a rendu hommage à Calboire. Mmh. Calboire, fameux poète haïtien, immense poète haïtien, et l'un des fondateurs, absolument, l'un des fondateurs et du mouvement l'indigénisme, du mouvement les griots. Mmh. Nous te rendons hommage à Calboire, et c'est sur la place Calboire, et communément appelée et place Saint-Alexandre. Mais justement, ça qui a attiré l'attention. Absolument, mm-hmm. Marché Salomon. Ce qui attire l'attention pendant l'activité, ce sont les enfants. Les enfants, ça a vraiment fait plaisir. Moi. Donc, pas que petit monde qui vient, pas que petit monde qui a posé une question, qui a dit qui t'es parlé de Calboire, c'est qui est ce Calboire t'es. Parce que ça va l'arriver sous mon yo. Ça va l'arriver sous mon yo. Et c'est ça vraiment te fait plaisir parce que moi, il y a des petits monde qui entrent dans l'initiative là, qui a dit poésie ensemble avec nous tous. C'était vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Mm-hmm. Très bien. Il y a un petit taquin, non, c'est à l'heure de dire c'est poésie qui permet les vivre. Alors qu'on dit souvent que la plume, ça n'envoie pas au marché. Ah, c'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité parce que et ça dépend. Moi, je n'écris pas pour gagner du pain. J'écris parce que j'aime écrire, parce que la poésie a vraiment une importance capitale, primordiale, gigantesque. Et dans Vim, donc, je fais poésie parce que moi-même, poésie, parce que justement, je t'ai rencontré en espace qui était fait moi-même poésie, qui c'est Bibliothèque Monique Calixte et Focal, qui fait Samier. Absolument. Le pain, ça aide à lire. Absolument. Tu vas romper là, c'est nos images sont beaucoup plus. Oui, mais non, mais c'est le comédien que je taquine. Ouais, le passionné. Je rejoins aussi Gustave, qui a dit Poésie permet de vivre. Pour qui ça? Parce que nous sommes pas Michel Pierre, lui, quelque chose qui dit on va être comme ça. Nous ne sommes pas que des bouches, il y a un qui va seulement manger. Mon ami qui me dit, moi, je n'aime pas qu'à vivre de dire à ce soir seulement dans le pays. Mm-hmm. Et ça veut dire. Moi, bon, c'est la culture à l'être l'espoir. Et je veux dire, nous est dans une sorte de désespoir. Parfois, on a mon qui aime le cinéma, un film, il sentit la vie. Mon qui aime un livre, il sentit la vie. Puisque pour moi, la culture, tout ce qui est beau, tout ce qui est profond, à l'être l'espoir. Et on a besoin d'espoir. Bon, bah, et Daniel a fait, il dit, il a on a parlé d'un grand goût en Haïti. Et imaginez, il y a environ 12 millions de monde qui couchent en côté, qui attendent. Dis, mais attention, c'est vrai qu'il y a la faim en Haïti, il y a des gens qui peuvent arriver et répondre à des besoins primaires, donc manger. Mais dit, mais une mangue finit toujours par tomber. Donc avoir fini de manger mangoa, donc c'est la musique, c'est la littérature, c'est l'art de vivre absolument, qui se met en branle automatiquement. Absolument. Alors, monsieur, me fait nous venir là, je dis, hein, parce que bon sujet qui intéressait depuis quelque temps. Vous regardez. Puisque dans la crise là, nous faisons focus sur la politique, nous voyons un peu le monde qui a parlé de politique, nous regardons les aspects socio-économiques, les questions d'inégalité sociale ont été très débattues dans le cadre de cette émission, et les questions politiques notamment, et les questions sanitaires, mais m'estimer que les questions culturelles là, milieu que moi-même, moi sorti la donne, et n'est pas assez débattu. Et je senti que. Il y a quand même une grande souffrance dans ce secteur parce que, je pense que c'est le seul cadre de visite que le pays a arrêté. C'est son art, c'est sa littérature, c'est sa musique. Et ce sont les festivals que nous connaissons. Or, crise dans une bonne dimension, là, notamment dans la phase d'insécurité chronique que nous avons entrée là, kidnapping, etc. Li empêcher moun pran la rue. On a introduction émission hein. On dit le secteur culturel vit de présence humaine. Bon c'est ça li son gros handicap pour secteur. Nous même qui dans secteur qui vivent de ça, qui fait que ça et pour nous vivre, qui gens nous vivent moment ça.
D'abord, il faut définir il faut comprendre très bien ce qu'est un secteur culturel. Mm-hmm. Et déjà, le mot culture, c'est un concept que nous, et à mon sens, que nous parler de lien pile, nous et faire des initiatives et dans des espaces. Mais aspect culturel, lui envoyer justement à peut-être un ensemble d'individus qui ont certaines connaissances acquises, mais tout, il faut nous garder l'aspect culturel, les côté tout étatique par rapport avec le ministère de la Culture, et que lui-même qui a un rôle primordial pour jouer dans la question secteur culturel là. Mm-hmm. Parce que les artistes, et artistes, yo, comédiens, yo, et chanteurs, yo, artisans, ils ne sont pas pour contre, il n'y a pas qu'à être vraiment défini tout pour contre. Normalement, ce qu'il nous faut, c'est justement une politique culturelle vraiment établie, qui est capable vraiment de faire secteur culturel là, lui-même, il est assez grand, il est assez indépendant. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Bon, déficit, ça a rien dans le secteur culturel là, il y a presque tout secteur. Ouais. Des fois, il y a des secteurs qui ont une politique publique là, même pas appliquée. Absolument. Il n'y a pas rien du tout. Il y a des secteurs tout dans l'État. Et c'est quand il y a des secteurs traités par un pauvre, dans cette culture, c'est une la-donne. Donc, il n'y a pas vraiment. Et l'État n'a pas un plan pour lui, il n'y a pas un investissement qui fait la donne. Et c'est des pots de chagrin, en réalité. Et ministère, ça, oui. Et nous n'avons vraiment pas réglé grand-chose là-dedans. Peut-être pas une directive, pas un tout, des investissements qu'il faut faire. Cependant, moi-même, sous ça, m'a insisté. C'est vrai que il y a nécessité pour l'État lui-même de jouer un rôle dans ça. Actuel ministre qu'il a, c'est camarade de promotion, ses amis, Jacques, que je salue. Je vais le calonner sur lui parce que je déjà connais. Jean-Emmanuel Jacques. Dans le contexte d'entrer là, il est difficile pour faire grand-chose. Ce n'est pas l'excuser non plus. C'est que je connais le secteur. Mais ça qui intéresse dans le secteur ça, mis à part l'absence de l'État, dans le secteur ça et dans en pile l'autre secteur encore. Par exemple, le ministère de la Jeunesse, ou pas même quand ça s'est réglé. Donc, on va écrire les ministères haïtiens vivant à l'étranger, alors que les bon haïtiens qui vivent à l'étranger ont des difficultés, qui ont fait des donc traversées, ou pas senti présence sur le bon côté de monde. Et nous, on est écrasé, ça nous rend compte. Il n'y a pas de débat politique là, je devrais faire jeudi. On a besoin de garder. Qui est ce secteur ça vivre là pour y aller? Bon, moi, je vais répondre par rapport à ça. Là, on connaît, c'est toute une chaîne de la production de biens culturels. Oui. Ou bien opérateur qui a créé des projets pour faire des événements, pour faire des festivals. Ou bien écrivain, ou bien artisan, ou bien tout l'autre, ou bien musicien, tout qui a fait album. Mais ça, c'est toute production de biens. Question patrimoine, bâti, matériel. Mais il y a des diffuseurs, espace, des réceptions. Il y a toute chaîne de malade. Ou mettre un projet, par exemple, pays Loc, ça a 2-3 ans. Depuis pays Loc, et bien avant ça, vous avez une dizaine d'années de cela. Par exemple, quel opérateur culturel qui a planifié un festival pour dire la première date là, ça c'est le premier problème là, et mettre un financement à temps. Parce que la première date là, ou dire faire un festival en septembre par exemple, ou bien reporter. Dans pays Loc, ou tu as fait en juillet, ou vous en septembre. Ça qui arrive septembre, ou pas qu'à faire, ou vous en décembre. Là, c'est un gros problème puisque. Ou pas fouti planifié. Parce que pour moi-même qui ai invité au niveau international les artistes, les graffeurs qui sont venus, par moment, Negadou, ou même Mme Nadou, font inviter 6 mois de cela. Déjà, avec... imaginez tout le problème qui est pour nous accepter de venir en Haïti avec tout ça qui a circulé à l'international. Même là même. Mais on dit, ok, on va venir dans 4 mois. On a dit, il n'y a pas de souci, je suis disponible dans 4 mois, on vient en Haïti. Puis on fait la mission qui nous a été imposée pour travailler, pour faire un mur et bien jouer. Mais les gens qui ont écrit ou dit non, par exemple, tu vois, et on vient d'assassiner le président, et bien, ils ont payé l'or, ils ne peuvent pas venir encore. Ils disent non, moi, je ne suis pas disponible puisque j'ai un calendrier annuel. Si je joue en Europe, je joue en Normandie, je joue en Allemagne, je joue aux États-Unis, son calendrier. Mais quand je tombe sur Haïti, il y a une incertitude parce que l'Europe négocie en artiste, par exemple, obligé de dire comme ça. Je n'ai pas fait ça toujours, même pas sur nous, ça arrive à n'importe quel moment de changer. Je dis, ah bon, oui. En dehors de questions, ça n'a pas dit, questions politiques, questions sociales, ou même questions climatiques. Je dis, ça arrive un gros cyclone qui arrive, même j'ai Mathieu,
Et bien, il m'a aimé l'autre ou pas qu'à faire événement. Oui, mais imaginez, si tu as un événement planifié là pour. Ça veut dire opérateur pour, a toujours. Pour moi, là. Non, pas ça. On est dans pleine saison cyclonique. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Et ça fait, je dis là, où bon point de paramètre qui en ligne de compte en vont font événement. Qui faisait des questions financement et tout. Ouais. Parfois, financement a changé tout par rapport à question de priorité. Pour qui ça, on est par une politique culturelle et majorité. Majorité opérateurs culturels, le financement vient d'ailleurs, ça me dit. Soit c'est des fondations qui ont des financements qui baillent dans sa joigne, soit des financements internationaux, ou à l'Union International, Canada, les États-Unis et autres. Ouais. Ou l'Institut français en Haïti, la focale. Ouais. Et ça qui arrive, Kounia, ou soit au fond, appel à la proposition par rapport à la priorité du jour, de l'heure, et puis peut-être, bah, qu'on est, donc, ça me fait. Mais assez souvent, ça arrive, ou à petite tête, ou par la commodo par rapport à la réalité. En termes de planification, c'est difficile. Ouais. Et il y a des opérateurs culturels qui vivent que de ça. Et là, nous connaissons, le secteur culturel ne fait pas brûler la marmite. Mon monde qui a fait culture seulement comédien, ou même qui est opérateur culturel, il n'y a pas qu'à dire avec l'IPK, il y a un niveau épicé d'école. Oui. Pas sûr de ça. Si vous n'avez pas d'alternative, c'est vraiment difficile pour vivre. Et vous me faites coup de pied sur ça, vous avez dit avec Yves-Marie Gustave et tout à l'heure, c'est que si minimum ça n'est pas garanti, à savoir qu'un comédien, un musicien, un dramaturge, un écrivain, il y a des problèmes de loyer, c'est pas évident qu'il y a la paix, la sérénité nécessaire pour le produit. Voilà. S'il y a des problèmes de l'IPACA assouvi et propre fin, l'IPACA produit non plus, ou du moins ça va le produire, possiblement, même dans le domaine A, c'est un peu complexe. Ouais, ça peut arriver que Georges Bataille disait que l'offre une belle œuvre littéraire, ça, le meilleur texte littéraire, ça vient de la souffrance, mais et c'est pas de nous pas un cadeau aussi matériel que mais quelque part, on va avoir quoi sur Abdia. Je veux dire, le secteur du divertissement, qui pas culture un peu populaire, parce que là, il n'y a pas de culture, il faut une différence entre divertissement et deux, tu vois. De, oui, la culture là, c'est large. Là, c'est large. Et pour nous, ça veut dire que nous avons le secteur d'art proprement dit, et puis nous avons les fêtes genre, populaires et ouais, les fêtes champêtres et tout. Les grands. Mais je dis à la République dominicaine, oui, la République dominicaine, fait balle, puisque pas gagné vraiment espace d'expression, je dis, puisque pas gagné vie nocturne. Même côté des académies là, ils sont risques pour le monde d'adresser le voile. Qui plus est, le sanitaire là enfoncé cloua en Haïti. Par exemple, moi je connais peut-être des artistes qui sont venus en Haïti pour le festival. Moi-même, je suis capable. Je suis en financement dans l'institution qui a deux artistes qui sont sortis en Europe. Je suis obligé de remettre comme là. Parce que les artistes sont pour des raisons de restrictions au niveau sanitaire, ils ne sont pas venus. Et bien, après, comme d'abord, c'est billet, hébergement. Bon, on rembourse le. Qui vient faire que même événement, on pas arrivé à faire Jean pour te faire. Et en même temps, on a toute difficulté, ça, honnête. On a toute difficulté, ça. C'est donc, vrai. Ça veut dire qu'il est possible pour planifier. Et si tu dois faire 2, 3, 4 événements dans l'année, sans barrer pour arriver à faire. Ouais, justement. Et là encore, là, c'est une plus gros problème. Moi, je suis dans l'espace public. Ou même tout. Absolument. L'espace public, c'est quoi? C'est le bien commun. Je veux dire, il y a une privation. Oui. La liberté au niveau des déplacements. On est limité. Vous dites tout pas qu'à là, même si jeudi, moi, soirée poésie régulièrement que Joubert Joseph fait, mais chaque fois que vous êtes là-dedans, vous dites tout, est-ce qu'on est obligé d'aller? Voilà, à quoi? Je vous prie de liberté. La liberté de circuler. Je dis ça tout dans l'introduction à l'émission. C'est un secteur qui aimerait résister tout en même temps, parce que quelque part. Mais il faut résister aussi. Et où est-ce qu'il y a activité qu'a faite? Et timidement. En fait, ça fait me penser avec une citation de René Char, et grand poète surréaliste et français, et qui écrit une superbe œuvre et qui s'intitule Les Martineaux de René Char, que m'invite tout le monde à le découvrir. C'est un superbe texte. Côté René Char, du consacre, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Voilà, et c'est nous qui avons défini le milieu culturel là, le secteur culturel là, avec grande citation ça, nous avons compris justement comment le secteur a la révolution, le secteur justement qui prend des risques, parce que normalement, nous sommes obligés normalement de prendre des risques et pour faire des propositions, mais qui pas, nous, et comme si nous n'avons pas de prétention de dire, ok,
me prendre telle initiative là pour ici par rapport avec l'insécurité sociale, justement l'insécurité, et mon pas à marcher toutes les gon côté gon côté pas aller ça encore les vin craser milieu là. Donc et cette question d'altérité, cette question d'aller vers l'autre, ça n'existe plus, pour ne pas dire pas, ça n'existe plus, et parce que autrefois elle était existée, mais durant ces 30 dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? C'est du chaos. Et ça, justement, encore, la préférée, encore, avec le moine Bono, un frère, le moine Bono, et qui écrit une superbe œuvre, et 30 ans de mauvaise gouvernance. 30 ans de mauvaise gouvernance. Le nouveliste. Hein? Absolument, absolument. Et ça encore, tant de mauvaise gouvernance, ça allait entrer dans la question. Et le secteur culturel là, que Mounio pas prend, que l'instance pas prend responsabilité par rapport avec le secteur culturel là. Déjà, même nous avons une plaidoirie et donc une politique et, voilà, de lecture publique. Politique de lecture publique qui vraiment élargit. Côté que tout ou cas, plutôt que moi-même, moi me poser en pierre, et justement, ce qui c'est un espace culturel des jeunes de Turjo et CGT, qui c'est un espace culturel qui a à peu près deux ou trois ans. Pour le moment, nos objets font fermer par rapport avec certains problèmes qu'ils n'ont pas résoudre. Justement, ils me posaient pour mes pieds là, parce qu'ils me font mettre campé un espace littéraire, au côté que des jeunes viennent réfléchir. Parce que c'est ça mon cabin en tant que. C'est Pierre Pam, non. Et d'autres choses que je vais pour me faire encore. Et, justement pour me permettre à mon humble avis de grandir le secteur par rapport à mes poseurs de pierre. Bien sûr, moi ma voix qui plus connaît ça qui te connaît passé dans le domaine culturel dans le pays, ça quantité activité que te connaît. Ah ouais. Et te connaît, par exemple, ma pensée à vendredi en Balaville qui te connaît fait dans atelier Copac. Puis balisser. Dès que tu as connu les mardis de l'Institut. Hein? Oui, les mardis. Bicentenaire. Non, bicentenaire avec André Hez. Et nous. Julien Touy au perché sur là pour regarder toutes les conférences à cette époque. Même moi, où j'ai gagné en face à Baye la main. Yeah. Les mardis de l'Institut, tous les mardis. Oui. Tu t'imagines? Tu as un atelier Copat, tu as gagné vendredi littéraire dans Delma 29. Mais heureusement que Lionel continuait. Et contre vents et marées avec atelier jeudi soir. Non seulement atelier du jeudi soir, mais avec Centre culturel à Varie-Bourisset, côté chaque vendredi, on continue à réunir. Mais ce n'est plus la même chose. Hein? Ce n'est plus la même chose. Le secteur, ça, il prend pile coup. Il prend pile coup parce que ce secteur qui a vraiment créé la vie dans la ville. Là, ouais? Donc, on parle dans Focal, de temps en temps, on conférence, on parle d'un festival 4 chemins. Et dans tout pays, je t'ai parlé de théâtre de rue avec nous. Avec nous, théâtre. C'est des bagages extraordinaires qu'on vive. Et non seulement ça, il y a le fait qu'on aller dans l'activité, dans l'Institut français, dans Vendredi en Balaville, dans Vendredi littéraire, dans Focal. Et tu es même qu'on y a des activités dans la Fondation Culture Création dans le temps, et avec Colette Péraudin. Et là, finalement, ces discussions, et sans pas oublier Café Philo. Café Philo, oui. Il y a discussions after, là. C'est lui-même qui est fondamental parce que tout le monde prend le chita pour faire un débat, et puis nous, entre plusieurs bouteilles de bière, absolument. Et puis. Ça faisait ville, ça faisait modernité. Maintenant, je viens aujourd'hui là, par exemple, quand on a plus de monde qui était convié dans le Café Philo, c'est des étudiants qui habitaient Carrefour, qui sont dans l'école là, ils passent dans le Café Philo, après ça, ils vont descendre pour aller là, pour prendre machine pour aller à Carrefour. Donc, paquet de bagages qui changeaient dans la configuration pays à cause de crise ça, que l'on vit là aujourd'hui. Même pas ces crises ça, tout, un prétexte pour une véritable politique culturelle, qui sont lecture publique et tout, pour qui ça? Parce que tout ce que je dis là, plus fort c'est n'importe quoi se passe. Oui, c'est vrai. Même si Café Philo avait essayé de décentraliser, je dis mais Café Philo un peu dans les autres départements. Oui, dans le sud-est, même dans les Nîmes. Moi-même, on était plus jeunes, on a découvert qu'on fait Général Soleil, Jacques-Stéphane Alexis, qu'on est Nazim Hikmet, Pablo Neruda. Tu vois, des poètes, des écrivains très engagés qui disaient tout, qu'a changé la vie. Jamais les poètes ont été aussi proches des problèmes immédiats de leur ville, de leur pays. Mais je dis à la lol. Si on n'a pas d'espace, est-ce que crise sanitaire et politique a fermé l'espace à au plus? Ah,
Ou pas sorti monde qui couche en gras comme on Alexis et Menazim Ikmet et Pablo Neruda et ben découvrir avec Morane et Michel Fugain. Je dis à gagner YouTube, c'est vrai mais il y a un gros problème. Il y a la production de biens culturels mais il y a la diffusion. La diffusion extrêmement importante. La réception aussi. Moi-même pour qui ça m'a plaidé en faveur de moi, c'est pour municipalité je vais dire wall par ouais déconcentrer question gouvernement comme si l'état central gagne tout comme dans mais encore 1% bah on a une question budget et dans gouvernement mais ouais. Je dis à un petit monde qui prochain grand répéter encore peut-être petit coup de nip kagel qui gagne bibliothèque de claque si lui même il pas regarder sur YouTube et réseaux sociaux même si qu'on a je dis ça n'a pas dans réseaux sociaux tout fait choix est-ce que la diffusion de la culture est-ce que quelqu'un qui a veillé à ça, qui a diffusé, ça qui a regardé, ça qui a écouté? Je dis en France, en Europe, on n'est pas en Europe, on est en Haïti. Il y a passe culture avec le gouvernement de comment il s'appelle déjà le président Macron. Avec 500 euros de passe culture, il y a possibilité pour aller spectacle, pour la librairie, pour des bagages, pour la consommation culturelle, il faut que démocratiser. Mais je dis alors, tu es pour tout du café Frilo, festival 4 chemins. Et ça fait me penser c'est extrêmement important pour veiller. Comment la culture a gagné? La gratuité, c'est vrai, mais un peu partout. Comment les jeunes aujourd'hui qui veulent devenir opérateurs culturels, qui ont rencontré un monde pour diriger Junior ou Barconnet, ou la cité n'importe quoi comme ça au hasard, qui dit être livré pour un festival, tout même si au Cap, le festival Barconnet qui est intéressant, ou même dans le Grand Sud, là, dans le Sud, dans le Nord, dans l'Artibonite, il y a tous des gros événements qui permettent que jeunes savent tout. Découvrir des bagages intéressants pour eux-mêmes tout intéressés à la culture, mais en même temps, tout, c'est eux-mêmes qui font tourner des passeurs. Tout quand c'était tout, je dis à là, les festivals, quand je mets peut-être, on voit un festival, si graffiti, on monte dans la tête encore, bon, monde va continuer. Oui. C'est la flamme qu'il faut allumer pour dire tête. Parce qu'il faut décentraliser la culture, il faut que l'État joue au lit, même il faut aussi les bailleurs de fonds. Absolument. Je pense qu'à un certain moment, il y a je pense qu'il faut une proximité au niveau de la culture. Ouais, la culture plus près de nous. Comment rendre la culture plus près des autres, plus près du peuple. Même en fait, c'est le financement. Même parfois, ce n'est pas un reproche. Je demande au bailleur, tu donnes le financement de X à un opérateur culturel. Mais parfois, il y a un grave problème de ressources humaines. On veut faire des trucs. On veut faire des événements. On ne peut pas gérer. Comment gérer le financement qui nous est accordé. Comment faire un rapport? Ça, c'est le problème. Décris ça tout. Mais je dis à la question de la corruption, ça commence là aussi. Si tu n'as pas la compétence pour faire ça, moi j'ai une petite équipe qui gère ça. On reçoit le fonds. On est douce à ta l'heure. Mais si une institution internationale te donne de l'argent, tu ne fais pas l'événement. Tu retournes. Ou bailler, ou remettre les pas pour vous. Et il y a cette culture aussi de la transparence en même temps, la culture de la gestion saine des ressources. Pour y aller, ou bien, même si moi, à WashAPC, il fait là, les gens qui sont acquis, auxquels on accorde le financement, recevront en formation sur au moins 5 semaines. Extrêmement intéressant pour l'opérateur, ça qu'on est. M'a fait événement, mon gestion de ressources, surtout, mon relevance, tout, c'est bien rapport sur ça me fait. Ça veut dire tout ça, tout, dans toute chaîne de questions, production de biens culturels, où ta femme commence par faire, démocratiser, former, pour meilleurs résultats. En parlant de financement de bailleurs de fonds, et ça a quelques mois depuis moi rencontré un ami, un Belge et, qui était de passage en Haïti. Et puis monsieur des camarades l'a dit comme ça. Mon cher, ou c'est comédien, n'est-ce pas? On me dit oui, je suis comédien. Dis mon cher, comment faire théâtre dans un pays pauvre comme ça? Comment faire théâtre dans un pays pauvre comme ça? Dès qu'ils sont vivants, comment faire vivre? C'est grave. On pas qu'un comédien dans un pays pauvre comme ça. Comment faire vivre? Et justement, ça me dit, je viens pour me faire citer, pour me faire camarade comme réplique. Et je ne pas de prendre ça, je dis non, comme une insulte. Justement, moi, utiliser insulte là, je me dis, mon cher, on dit comment faire comédien dans un pays pauvre, comment faire écrivain dans un pays pauvre. Je me dis, mon cher, pays pauvre, ça va parler. Alors, ce pays pauvre a donné naissance à Jacques-Stéphane Alexis. Ce pays pauvre a donné naissance à Jacques Roumain. Ah, attention, mon frère. On parle là, à René Depestre, à Franck Etienne.
qui saute pour un prix là, lui-même ensemble avec Emile Prophète, Louis Philippe d'Alembert, qui prend un prix c'est cette année. Et puis, il me dit, payable. Absolument, absolument. Pour nous, est-ce que je peux placer un mot? Oui, moi, par rapport à la question, ça, je dis, on est en panne de modèle. L'autre jeune, c'est sûrement Samuel Janvier, l'intellectuel qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il a tellement lu ce livre en même temps. Ah oui, non, mais. Roger Gaïa, la République Exterminatrice, tout le monde, il faut dire, la question contemporaine, Maniga, tout le monde. Mais où dit-elle tout le monde? Je connaissais tous les poèmes de Georges Castrapaque. Moi, il me semble à Maniga, il me semble à Gaïa. Depuis, j'ai eu quand même Marc Xavier comme mentor. On parle pas de Marc tout, qui est passeur de musique, passeur de livres. C'est son vrai dans le monde. C'est dimanche. On commence à co-animer avec Marc Xavier. Mais je dis, longtemps, on disait tout, on ressemble à Marc Xavier. Tout. Le bout de Java Madra. Mais c'est une bonne émission. Sur Radio Haïtienne, une émission bien chère, lui. Ouais, ouais. Question... L'absence aussi des émissions culturelles. Ouais. Absolument, ça. Aussi, c'est, ça nous dit. Il n'est vraiment pas en faveur du secteur culturel. Le cercle puisque l'espace n'a pas fait écho de ce qui a passé. Les recherches critiques de la colonne du Nouvelle avec Pierre Mondima, Jobnel, Pierre. Ça nous manque aussi. Voilà, parce que question jeunesse, justement, c'est en thématique, hein, entre guillemets, question jeunesse, ça intéresse mon pile. Même si souvent il fait cliché, et aspect jeunesse, il fait cliché. Et il y a deux mots, même détesté en pile dans Vim, en tant que comédien, en tant qu'écrivain. Pas parler de mon tout ton jeune. Mon tellement prend jeune nan, yo prend tellement prend jeune nan comme si yo met non quatre clichés et très souvent oui mon mal utilisé. Voilà. C'est logique. Oui, jeune mais tellement jeune nan et m'a prouvé avec tout yo tout tout je te dis que c'est avec Némi à Centre Pinto dit mon cher que son jeune nan les gonds rapport réactionnaire utilisé c'est vrai, absolument. mais aspect jeunesse là l'intéresse parce que en fait faut qu'on redéfinisse question jeunesse là c'est qui ça lie justement en Haïti et pas même pas penser que jeune c'est pas logique comme ça on me dit que jeune yo pas voulu apprendre, jeune yo pas voulu lire à la bibliothèque tout ça mais est-ce qu'on allait joindre yo pour que ça me pas aller joindre yo moi c'est si on allait joindre yo là encore mieux parce que imaginons et ça encore son travail qui supposé fait et gain des espaces publics. Il y a des espaces publics, ça fait un bon projet, justement, de Condoma, qui très souvent des bibliothèques mobiles. Hein? Bibliothèques, une sorte de bibliothèque mobile, qui ont sorte de marcher dans les sociaux des places publiques. Ça fait quelque temps que je ne sais pas. En tout cas, même si c'est pas la transversale, il faut que la justice sociale. Parce que sinon la culture pas parmi les droits humains on parle aussi de droits culturels loisirs il faut qu'on ait un loisir il faut qu'on ait un droit à la culture et tout ça lié en fait ça qui est intéressant en matière de démocratie c'est que pas mon sujet qui est préséance sur l'autre du tout ou pas qu'à dire bon pour priorité à qu'on est là c'est grand goût on n'a pas le droit et à la théâtre justement et la démocratie c'est le fait de garantir tous ces droits et les droits socio-économiques ainsi que les droits et à l'éducation à la santé au logement décent et au travail ainsi que les droits et culturels absolument droits aux loisirs tout ça c'est ça démocratie hein, en réalité c'est pas élection démocratie hein, élection hein, si chaque fois on fait, il n'y a pas arrivé à garantir, il n'y a pas de droit à ça, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas utile à rien. Donc, ça, je dis là, le débat, ça, je dis, je vais faire, il est très important, parce que vous nous regardez que le secteur culturel, là, son secteur qui était occupé, en place importante dans la vie et nationale. Tout à l'heure, je vais retourner sur ce que tu as dit concernant la démocratisation du secteur culturel. Là. C'est vrai que, bah yo concentré à Port-au-Prince même si quand même il faut l'admettre bien certains acteurs qui essaient de faire et décentraliser certains festivals bon ça quatre chemins bon ça avec deux trois monde qui a laissé faire de bail dans des villes de province bon l'autre bail pour nous dire à l'inverse dans tous les pays du monde et vie culturelle là les souvent même concentré dans les villes d'ailleurs là c'est quelque chose d'assez urbain
Et c'est vrai. C'est littéral. Mais il faut ne pas croire que nous, dans la province, nous n'avons pas gagné vie culturelle. Moi-même, dès qu'on allait vivre un petit castan en province, dès qu'on allait en vacances souvent, dans la communauté, dans le presbytère, dans le centre de santé, nous avons fait ça avec les jeux de rôle. Nous avons avec la batte tambour, les mesdames qui ont tiré le cas, dansé. Donc, il y avait une forme de théâtre rural, un théâtre absolument, populaire absolument, dans la ville de Provencio. Et puis tout, que ce soit Rara, que ce soit Carnaval, là, c'est des formes de culture populaire qui existaient dans la ville. Yo. Ce qui nous fait, c'est que bagay ça va mourir parce que justement, les gens qui ont fait bagay ça, on est quitté, on fierté parce que dans la zone, ils ont excellent tambourineur. Rara va faire fête si monsieur passe au tambour. Hein. Je dis à monsieur, dans la route pour aller au Chili ou bien ils ont traversé pour aller aux États-Unis. Nek ça a lui-même, c'est lui-même qui a manié Jean. Il était vraiment son un spécialiste dans la question de danser. Avec Jean, puis mouchoir, bon côté, par contre, ce qu'on a gardé, bah, ça, c'est des belles, en pile couleur, dans la raie, etc., qui qu'on a soufflé tambou, et bambou, moun, qui qu'on a soufflé trompette, yo. Je ne dis tout le monde, ça, yo, en route, pour y aller, États-Unis d'Amérique. C'est moun, ça, yo, pimpé tout le monde, là. Parce que justement, la déstructuration de la paysannerie, la déstructuration de nos villes de province, fait que moun, yo, qui était là, qui t'a créé la vie en dans zone, ça, yo. Il a quitté pays et pays de plus en plus a vidé de tête libre de toute sa gagne comme trip comme nanan. Même pas c'est question patrimoine immatériel, matériel, patrimoine bâti tout nous bon moi c'est nous bon irrespect. Tout en bas pour commencer respecter par ça. Parce que on a des anciens cahiers de poètes, des historiens. Ouais. Notre pays a toujours dans la grande ville du Nord. Pour ouais. Bah, symbolique. Bah, ça, wow. C'est des ouais. Lieux de. Donc, quand il m'a supposé, vous dites, waouh, Jacques Comte est habité là. Il faut que nous ça, Jacques Comte est représenté. Je dis absolument, à la soit sur le milieu de la ville. Supposé, on a passé sous Bois Vernant là, la pisse dans le coin de Jacques Comte. Une forme de violence symbolique, tout le monde, c'est beau, bling, bling, c'est là, ouais, c'est. Question matérielle, c'est l'argent, mais respect du patrimoine, de la culture, tout autant pour vous. Proposez-moi, vous dites ça, vous respectez-le. Vous savez pour les gens, ce patrimoine, ça, justement. Lui-même, dans lui-même, mais dans la pratique aussi, renforcer ses pratiques aussi. Vous avez besoin, mais c'est de la culture, si vous voyez, Jésus dit. Ou quand les gens n'ont pas envie de faire d'rien, il est salafé, il n'y a pas même l'argent, non même si c'est de la culture, dit comme ça, il faut fédération, ouais, des majors gens du Grand Sud. Ou même en fédération de ne cap bat tambour oui. Tout ensemble ou dit soit fait rien important comme ça puisque dans 50 ans si oui. Moun qui gagne 10 ans pas le connaître des pratiques comme ça gagne cap écrit sous lui ou fait interview avec lui ou mettez le plus ou moins dans espace côté moun découvrir ça l'affaire même dans secteur culturel là il y a moun je dis à la wab dit moun qui parle d'rien mais gagne tout parle en France en Europe il pas tourner gagne qui étage pas tourner ils ont besoin d'être valorisés absolument. C'est ça avant je dis à mais ça d'habitude gagner de l'argent. D'abord, c'est la vie qui va vous financer, mais au moins c'est une réunion. On va dire assise, on a assez fait l'assise. On s'asseye, on discute, Yves-Marie, ça va faire un travail là, c'est ce travail de mémoire. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Sans envie de faire. Ouais, on rassemble tout ce beau monde pour dire, mais ça va faire. Tu vois? On cahier dans le ministère de la culture qui dit, voici les pratiques culturelles qui gagnent. Et je dis, mais ça qui est intéressant, on est. Les écoles aussi. Si l'école là va faire, je dis, c'est que tu n'as pas envie. Quand ça compte un bourguignon. Là, bat bat tambour, t'es un petit gourou, tout c'est symbole. Vin gen azok mourir, mais je dis, on est capable de battre tambour, c'est pas nos bouts pompas. Abdou son valable, on va le faire, éclairer, on va le voir. Ça tambour, ça symbolise pour nous. C'est-à-dire, il faut valoriser ces pratiques-là. Il faut valoriser les gens et les objets. Nous avons fait, je dis, au moins, plus ou moins, on pourra rêver à la pérennisation. En parlant de tambour, en parlant de tambour, justement, et nous. Là, nous entendons une somme de folklore qui est intéressant, que je me sentais mal à l'aise, là, le folklore haïtien. Et il y a un texte que je découvre, ça va bien trop long, ça va bien trop de temps, ça va bien environ 3 ans. Et justement, à la bibliothèque Monique Calixte, comme toujours dit, la bibliothèque Monique Calixte, c'est un texte de Jean Prasmars, ainsi par la l'oncle, et qui est une apologie du folklore.
et justement aspect tambourant, aspect contio, aspect et blague, et ça a vraiment été intéressant parce que le matériel, absolument l'un du secteur culturel, il faut montrer dans la question tradition autour et blague, contio la nuit, bon, et gros coup de chapeau pour Content Bâtonnel qui se réalise au festival là et qui deuxième édition je crois et qui vraiment réussit à mon sens, et ça important question et aspect folklore important, mais même moi, chaque fois que je me lève le matin, je dis waouh, et m'a réfléchi, je me dis que dans quelle bibliothèque je vais aller là, je ne vais pas jouer un espace. Ou comme si on sentit, en fait, en Haïti, c'est comme si on sort de comme si une bibliothèque en voie de disparition, espace de débat, ou vraiment, ou pas jouer tout le temps. Parce qu'en fait, personne ou même qui travaille dans la bibliothèque, la bibliothèque là, c'est pas un cimetière de livres. Absolument. Ce qui est le plus important dans une bibliothèque, il faut gagner animation de la bibliothèque. Donc, si pas une conférence dans la bibliothèque là, pas un club de lecture, pas une série d'activités qui pour drainer lecteur vers la bibliothèque là, c'est une bibliothèque morte. Non, son dépôt de livres. Tout le monde vient échanger, club de lecture à Focal. Et puis tout ça participe aussi, et si nous permettons, à la création de liens sociaux. Bon, pas qu'être amis, mais bien sûr, nous battons l'école ensemble. C'est dans le secteur culturel là où on rencontre, nous faisons amis. Bon, pas qu'être amis que nous avons, c'est dans le secteur où on rencontre. Et on peut tisser des liens, et des fois, il y a des liens sentimentaux, il y a des liens économiques par la suite, il y a des liens qui viennent de diverses formes. Et puis tout, il doit permettre que plusieurs générations rencontrent tout. Par exemple, c'est dans le secteur culturel, moi rencontre mon coué et Delano Morel, il y a des émissions que nous saluons, nous allons rencontrer une quantité de monde, Jean-Pierre Dubon que nous allons rencontrer, et donc de monde qui vraiment et à un moment de la durée était passé au flambeau pour faire le secteur culturel là avancer. Parler de street art rapidement, on a parlé de ça parce que par exemple, le street art graffiti en particulier, ça participe à ça aussi. L'homme galon mur. Nous n'avons pas un alphabet, mais un peu le monde, plus fort le monde. Oui, le mur te parle. Avec le festival graffiti, les murs deviennent expressifs. Ensemble, on fait discussion. Parfois, on a la co-création même. Ah, c'est ça que nous avons travaillé. Nous avons dit, c'est moi qui appelle ça là. Comme ça. Malgré mon travail, tu vois, il n'y a pas de notion en art du tout, mais lui-même a participé dans la création. Mural, puisqu'il a fait instantanément. Pour montrer comment le lien social, il a fait commenter, il a regardé ensemble, il a discuté. Bon, c'est extrêmement important là permettre cohésion ça sociale entre guillemets puisque nous pas jamais arriver faire parce que faut le faire faut une cohésion sociale qui permettre que vivre ensemble là, parce que espace public là pays c'est un bien commun. Même là le monde dans la rue par exemple, si on a écrit à bavé je dis non mon cher, mais ça il va pour Pierre Saint Jean Rue dernier festival graffiti ni artiste ça fait là non pour pays et pour quartier, c'est ça nous pour arriver faire. Le pays est un bien commun, comme une œuvre d'art est un bien commun, comme le livre est un bien commun. Là, il y a eu un craché de livre là, où il y a n'importe presque 5000 nègres qui parlent du même livre. Parce que sous Chiril, sous Chiril, page 10 là, nègre a perdu, puisque lui-même, il a besoin de livre là. Mais yo, si le pays, ça, va arriver à faire bien commun, ça, tout. Altérité. Avec des gens qui viennent après, il va venir. Tu vois? Monsieur Mbassé, nous faisons quand même le tour d'un pile question. Nous prenons compte que ça aurait le ministère de la culture et de la communication ici, il y a plus de travail pour faire. C'est un choix pour me calonner sous Jean-Emmanuel Jacquet qui occupait le poste à Koukounia. Il occupait le poste à notre conjoncture tout à fait spéciale. Donc, naturellement, il y a des bagages nous vraiment pas qu'à attendre de lui, même genre, pour n'importe quel autre ministre là, puisque nous avons des priorités. Mais c'est pas une façon pour m'excuser. L'idée c'est que ma boîte à l'état de Pierre Saint, c'est résultat ça pour gagner. Lors au ministère de la culture, pendant 10 dernières années qu'il a eu, ou fait le tourner au ministère de propagande pour le gouvernement. C'est que le ministère de la culture, en fait, on comprend très bien que le travail pour le faire. Il y a un travail pour élaborer les politiques publiques dans le domaine culture. Il y a un travail pour accompagner les gens qui ont produit dans le domaine culturel. Il y a un travail pour faciliter la diffusion de ces productions.
et il y a un travail tout pour porter un service culturel à la population, et pas seulement la population qui est dans la ville, mais notamment dans les zones les plus reculées de ce pays. C'est ça un ministère fait. Un ministère ne fait pas de propagande pour un gouvernement. Donc, et son consultation gratuite. Pourquoi par rapport à ça, nous avons envie de dire rapidement, où on a parlé du ministère de la Culture, il y a des gens qui ont fait des festivals ou des projets culturels. Par contre, c'est à l'extérieur. On a un des post-coronavirus, puisque nous avons plein de crises sanitaires toujours. En France, j'ai quelqu'un qui a travaillé avec nous dans la médiation culturelle qui permet de former des guides touristiques, qui permettent de guider le monde pour découvrir mieux, tu vois, un parcours artistique au niveau street art. Mais lui-même, avec l'autre, pendant la crise, la France, ce n'est pas indemnisé, mais dites-tu, on fait un an, deux ans pas de travail, ou pas faire mon visite. Voilà, ça au bas comme support, qui permet l'institution en vue. Parce que s'il crase, pas bien guide. Oui, mais son bon. Mais je dis là, ce n'est pas lui-même. Même ministère de la Culture, au moins, on peut demander à Yves Gustave, ce que tu as fait la dernière fois, comment tu l'as fait? Comment on fait pour vivre? La question aussi, le secteur privé aussi. Oui, les affaires. Le mécénat. Le mécénat. Nous avons des questions. Le mécénat. En France, la vie culturelle vit du mécénat. Finalement, Grenier ici n'est pas impliqué là. Absolument, ça fait me penser. Il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de culture. Ça fait me penser. Il n'y a pas d'éducation. Je pense que c'est excellent. Je dis à pays, j'en dis à tout. La culture. Et les jeunes, automatiquement, j'ai encore de bon financement. Ils ont tout dans la filière. Ça, son filière. Ça peut devenir un métier. Il peut aussi vivre de ça. Il y a une alternative. Définitivement, monsieur, en parlant de métier, rapidement, où tu as parlé de métier, déjà, et question, déjà, et comédien, c'est un métier, dans le commun des mortels, mon yon la, yon pas considéré théâtre, yon pas considéré comédien, yon pas considéré écrivain comme yon métier. Déjà, les wal ouvre yon compte la banque, le statut de l'artiste. Ça forme deal. Les wal ouvre yon compte la banque, même une te chance et al ouvre yon compte la banque, m'a cité nos banques là, parce que li pa gen publicité dans la télévision. Et les wal ouvre yon compte, justement. Les mounio dim et qui titou qui soye m'di mounio comédien, c'est titou mando oui qui soye en fin de compte ça t'est fini avec étudiant. Vous êtes étudiant, mais justement, moi j'ai dit que tu es étudiant. C'est ça, la reconnaissance. Absolument. Là encore. La reconnaissance, elle doit à la fois sociale et juridique. Absolument. Là encore, m'a posé peut-être mes questions. Quelle est la vocation de l'élite? Et quelle est sa vocation élite là? On a fini sous question ça. Quelle est la vocation de l'élite? Pierre Saint-Jean Widler, merci. Et Yves-Marie Gustave, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Bon, ce débat est passionnant. Absolument. Peut-être que nous allons continuer avec d'autres acteurs dans le secteur. Absolument. Mais ce débat que vous nous continuez à faire. Absolument. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Absolument, c'était un plaisir. Ouais. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Un débat assez passionnant avec des acteurs du secteur culturel. Pour nous garder qui impact crise la gagne sur le secteur ça. Comment le monde dans le secteur ça vivre et qui dans le secteur ça lui-même. Il est capable d'utile le pays, il est capable d'aider le pays à sortir dans sa vie. Nous disons tout le monde qui était branché. Merci. Au revoir.